Je repensais à ça. Tu sais, mettons, la première saison, tout le monde en parle. Il y avait une affaire qui était magique, c'est que le monde réalisait pas l'impact que tout le monde en parle d'arriver. Tu sais, mettons un Rael qui a scrappé toute sa crédibilité au Québec, le Doc Mayou. Tu sais, il y en avait gros qui arrivaient, puis qui. Tu sais. Ouais. C'est ça! T'as souvent dit en entrevue, tu sais, au début, on disait que tout le monde en parle. Au début, c'était comme un dîner de cons. Puis tu disais, en entrevue, tu dis tout le temps, non, c'est, mais c'est un dîner de cons, la première année. Non, pour faire un dîner de cons, il faut un con. Ben, que je viens de t'en nommer. Mais. Mais non, il faut dire des conneries pour. Faut dire des conneries. Faut que tu arrives, puis tu dis, je pense que ce que je fais. Ça mérite d'être partagé. Puis quand t'es. Puis si on t'invite à Tout le monde en parle, c'est parce que t'es assez connu ou t'as assez partagé pour qu'on mérite d'aller au bout de ça. T'as nommé deux exemples de gens qui ont présumé que leur public, c'était le public. Puis, tu sais, quand j'étais jeune puis que je faisais pas de la TV, je disais, hey, ils sont prétentieux les gens quand ils disent, moi, mon public. Non, mais ils font bien de dire ça. Parce que moi, mon public, c'est pas ton public. Ben, non, je pense que nous trois, il doit avoir des points en commun quand même, mais ton public ou les gens qui viennent à ton église, c'est pas le public en général. Le public du Doc Mayou, c'est pas le public de Tout le monde en parle. Puis là, quand tu arrives là, puis tu dis toutes tes affaires, ça se peut qu'il y ait des gens qui s'inscrivent en faux ou qui disent, ouais, on se dit, qu'est-ce qu'il raconte là, lui? Ça se peut que ça arrive aussi. Puis, tu sais, 1,1 million de téléspectateurs avec tous les médias qui le regardent, là, parce qu'on s'entend que c'est couvert comme la première année, t'es mieux d'arriver là préparé, hein?